Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli leopard. Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli leopard. Mikolo to sekele kina mosolo ya mboka Congo ekoki to fungwani misolelo to moni bozo banyoso to sali mwea kobongisa Congo aveni ebongi to sala ebongi to sala moto nyoso ata mwana Congo ya mosolo mpembe ya nzoku Congo ya bwanya kasa ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi. Vous devez vous saluer la présence et son excellence, monsieur le vice-ministre. Merci pour votre pardon, monsieur le vice-ministre. On va dans la prière. Je vais faire une intervention sur ma camouille de la troisième et par le président Asado, le président Jean-Claude Katédé, dans la carte de la mission, pour le monde aille, pour le monde aille. À vous poser un message sur troisième. Pour votre président, à toi et à tous les amis. Ce qui se fait ici est pour passer la restitution à la trois jours. Je l'ai dit, la trois jours de la restitution depuis le 28 novembre. Je continue en haut. Le 5 décembre, dans le 12 décembre, le 5 décembre, je l'ai dit, l'église, il y a Pasteur Rodé et Racheté. Le 28, je l'ai dit, Pasteur Rombo, pour la reprise à Ouverti. Et puis, le 12, tout à l'heure, et l'église, l'église qui était les égaux, et pas passé à Rouilly, les lots, tout ça, aussi ça, et le lot là-dessous. Les amis, ceux qui, moi, et à vous, bien sûr, bien représentant d'Aé, et c'est dit, donc, qui était maman, la soupe, et le lot là-dessous, et vous allez, moi, des collectifs, Il y a son excellence, monsieur le vice-ministre des Congolais à l'étranger, monsieur Atou Boyama. Nesca, Milou Nabiso et Bosnika. Nous voulons te rendre encore grâce pour la première élection des Aboa depuis l'inauguration, le débat. Et les réflexions dans les ateliers. Si nous sommes là cet après-midi, pour les arts de Dieu, pour qui, pour la famille, pour vous, pour la négociation, pour la négociation, parce que souffle de vie, pour la négociation, pour la négociation, pour la négociation, oui, j'ai un programme à mon goût. Volonté, ta main forte et ton grand état qui soit sur nous. En le nom premier de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur, ainsi nous prions et nous disons tous Amen. Merci beaucoup. Et vous, Congolais, inimitable le sort, inimitable l'effort pour l'indépendance. Un pays plus beau qu'avant dans la paix.
saluer l'empereur de notre souverain Congo, des pays Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous éclairons ton soleil, nous assurons ta loi, prends tes joies au doux soleil, prends tes joies qui prend tes joies. Jour sacré, sois les témoins, jour sacré, délimentaire, serment de liberté. Et nous léguons à notre postérité pour toujours. Très chers compatriotes de Marangou, bonjour et bon après-midi. Je voudrais vous souhaiter tous, au nom du comité de ces assises qui est Agora, dont j'ai l'honneur de la grâce de diriger, bienvenue à cette cérémonie qui poursuit. Merci au président Gros. J'espère que ma commence va s'agir. Nous avons mis le bébé à l'eau,
l'organisation a dit ça, donc tout ça, il fallait mon papa passer le mot Azala, Anna Misabiso, histoire de Barumbu, Nana Moussa, dans le Soukabé, et Siko Barubé. Merci. Merci pour la parole. Et c'est le bali, il y a le bali qui nous a été. Barou, l'André, le Botami, le Boli, et Bandari, la Congo, la Sintasi, à votre Banas, la Rouge de Boulandi, la Rai, la Rouge de Boulandi, Sintasi. Comme on a la Rai, qui ne paye pas le Banas, on a mon nom de Rouge. Alors, la Souma, la Rouge, peut-être qu'on peut voter à la Rouge. Parlement de Sintas, bâti à Ocasama, à Parlement de Molon, commis Bruxelles. Les commis Bruxelles, la table de la vie Sintas, il n'y a pas de nom à Puna, au cas de savoir les paille. Sans qu'on me bombe, on est en vérité, on est là. Ah, on est côté à Nolo, faut qu'elle ne vide. Sans qu'on me bombe, on est en vérité, 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 on est en vérité. Parler des droits de l'homme. Mais on ne peut pas parler des droits de l'homme
dans 15 minutes. J'ai choisi l'essentiel. Et donc, cet essentiel, c'est d'abord que nous puissions nous entendre sur la définition des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est quoi? Parce que les gens disent toujours droits de l'homme, droit de l'homme, mais les droits de l'homme, c'est quoi? En fait, les droits de l'homme, c'est l'ensemble des valeurs qui donnent la dignité à un homme ou à une femme. C'est tout ce que vous pouvez retenir. Donc, ce sont des valeurs qui vous donnent la dignité, qui font qu'on puisse vous respecter en tant qu'être humain. C'est tout ça qu'on appelle droit de l'homme. Ça veut dire en d'autres termes que si vous n'avez pas ces droits-là, on ne peut pas vous qualifier d'un être humain. Vous allez être comme une bête. Encore plus les bêtes ont les droits. Donc ce sont des valeurs qui contribuent à notre respect, qui contribuent à notre dignité, et que ces valeurs sont attachées à notre personne. Sont attachées à notre personne. Et si vous n'êtes pas un être humain, vous ne pouvez pas avoir des droits. Alors parmi ces droits qu'on appelle droits de l'homme, il y a ce qu'on appelle les droits civils et politiques. Les droits politiques, c'est par exemple les droits pour un citoyen d'élire un dirigeant de son choix. C'est parmi les droits politiques. Les droits civils, c'est l'exemple du mariage. Que tu puisses te marier à une femme ou à un homme de ton choix. Et c'est grâce à ce droit aujourd'hui que nous les jeunes, nous choisissons nos épouses en refusant l'intervention des parents. Ou nous choisissons nos époux. Mais nous savons que les aînés sont plus sages que nous. Il faut toujours concilier les droits avec la tradition. Parce que c'est important. Nous avons les droits économiques, sociaux et culturels. Parmi ces droits, vous avez le droit, quand vous travaillez, à un salaire qui puisse vous permettre de bien vivre, qui puisse vous permettre de payer votre loyer, de vous nourrir, de nourrir vos enfants et surtout de les scolariser. Parce que si vous voulez que Barumbu aille de l'avant, davantage, il faut que vous ayez des enfants, des jeunes, filles et garçons qui ont beaucoup étudié. C'est important. Et parmi les droits économiques, vous avez le droit à avoir un bon logement. Un bon logement. Il faut dormir dans les conditions convenables. Nos parents qui étaient avec les colonisateurs avaient les conditions plus favorables que nous aujourd'hui. Donc ça c'est important. C'est l'ensemble de ces droits. Un des droits importants, c'est le droit à l'éducation. Les enfants ont besoin d'aller à l'école. Un autre droit important, c'est le droit aux soins médicaux. Il faut que quand quelqu'un tombe malade, qu'il soit capable d'aller à l'hôpital pour se faire soigner. Tous ces droits, je disais donc, qu'ils sont attachés à notre être en tant qu'être humain. Maintenant, comment nous pouvons connaître tous ces droits? Ces droits, nous les trouvons dans notre constitution. La constitution de la République démocratique du Congo, qui est la loi fondamentale de notre pays. Ces droits, nous les trouvons dans les accords traités que la République démocratique du Congo a signés au plan international, au plan sous-régional. C'est d'abord l'État. L'État congolais a le devoir de faire en sorte que chaque Congolais puisse jouir des droits qui lui sont garantis, qui sont dans notre constitution. C'est l'État congolais. Quand je parle de l'État congolais, je sous-entends la police, je sous-entends l'armée, je sous-entends les services de sécurité, je sous-entends le président de la République, je sous-entends le gouvernement. Ce sont eux qui ont l'obligation de protéger et de faire protéger les droits. Sans oublier que, au-delà des institutions que j'ai citées, l'institution
question la plus importante pour faire respecter les droits de l'homme, c'est la justice. C'est la justice. Parce que les droits de l'homme seront toujours violés. Mais il faut que nous ayons des parquets compétents pour faire les enquêtes et les tribunaux, et pour les tribunaux compétents, juste pour pouvoir rendre ou dire des droits. Alors, quand vos citoyens, vos droits sont violés, soit par la police, soit par la justice, à qui est-ce que vous allez vous adresser? La première chose, vous devez vous adresser à la police la plus proche de chez vous. À la police la plus proche de chez vous, vous pouvez aller dire à la police que moi j'ai été victime des violations de mes droits par telle personne ou par telle institution. Et la police a l'obligation de pouvoir, n'est-ce pas, vous entendre et éventuellement appeler la personne qui vous a violé et a violé vos droits pour pouvoir l'entendre. Si vous n'allez pas à la police, vous pouvez aller directement au parquet. Parce que c'est important. Des fois, nos droits sont violés, mais nous ne savons pas où il faut aller. Vous pouvez aller au parquet. Et le parquet a le devoir de vous entendre, de convoquer l'auteur des violations dont vous parlez pour pouvoir vous confronter et éventuellement ouvrir une possibilité d'avoir un procès. Mais vous savez vous-même comment la justice de notre pays fonctionne. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus. Mais je voudrais insister sur le fait que si vous n'allez pas à la police, si vous n'allez pas au parquet, vous pouvez aller auprès des organisations des droits de l'homme. Parce que les organisations des droits de l'homme ont la possibilité non seulement de vous entendre, mais éventuellement de vous donner un avocat pour vous aider dans la démarche à faire. Ça, c'est très important. Parce que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas leurs droits. Il faut avoir un avocat. Mais nous savons aussi que beaucoup d'entre nous n'ont pas de moyens pour payer un avocat. Et donc il faut avoir la possibilité d'accéder à ces services, à cette consultation, en passant par les organisations des droits de l'homme. Et ici à Kinshasa, nous en avons beaucoup. Nous en avons beaucoup et il faut que nous ayons la culture, quand nos droits sont violés, de pouvoir les dénoncer. Il faut avoir le courage de le faire. Je sais qu'il y en a qui ont peur, mais si vous avez peur, vous ne pouvez rien faire avancer dans ce pays. Et donc, voilà ce qu'il faut faire. Et ce qui est aussi important, vous ne pouvez pas vous déclarer congolais sans avoir lu la constitution de votre pays, même une seule fois. Non. Combien ont déjà lu la Constitution ici? Levez la main. Nos droits sont dans la Constitution. Et il faut la lire. Et je vais demander, mais c'est pas pris. Ça va être, nous les chrétiens, nous avons la Bible comme référence. Mais en tant que citoyen, il faut aller au-delà de la Bible. Il faut avoir sa Constitution. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un pour une dette. J'ai la dette de quelqu'un, c'est une affaire civile. On ne peut pas m'arrêter. Mais quelque part, on est allé arrêter une maman qui avait suivi nos formations pour une dette. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a posé la question à ceux qui venaient l'arrêter. Est-ce que vous pouvez me montrer les documents qui vous permettent de venir m'arrêter? Il faut le faire. Des fois, nous avons des gens ici, un policier arrive chez vous, il faut tout gagner. Déjà, tu entres dans la maison, tu prends le téléphone, oh, je parle. Non, la première chose quand la police arrive chez toi, c'est de demander est-ce que vous avez un mandat, un document qui vous autorise de venir me prendre et aller avec vous. S'il n'a pas ce document-là, vous ne devez pas arriver. La deuxième chose, quand vous arrivez au
des faits qui sont portés contre vous. On vous accuse pourquoi? La troisième chose, on doit vous permettre d'avoir un avocat. Et vous pouvez refuser même de parler. Donc vous voyez, quand ces personnes ont compris que la maman comprenait, elles ont dit, nous partons, nous allons revenir. Parce que la personne connaissait. Il arrive aussi d'autres exemples où c'est ton enfant qui a volé quelque chose, on vient te prendre toi papa ou toi maman, à la place de ton enfant. Ça ne peut pas se faire. L'infraction, elle est personnelle. Mais quand vous connaissez ces choses, ça fait partie de vos droits. Et quand vous les connaissez, ça vous protège vous-même et ça protège aussi votre famille et votre société. Donc, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Je vais terminer par deux choses. Les droits de l'homme sont fondamentaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez construire une vie meilleure pour une femme, pour un homme, pour les enfants, la fondation c'est les droits de l'homme. C'est ça la fondation de la vie. Vous ne pouvez pas construire une grande maison sans une fondation solide. Et si un pays ne respecte pas les droits de l'homme, ce pays-là ne peut pas construire des citoyens et des citoyennes qui peuvent faire des graves choses dans leur vie. Donc les droits de l'homme sont fondamentaux. C'est la fondation de la vie. Et là où les droits sont respectés, la conséquence c'est que vous aurez des hommes et des femmes libres, des hommes et des femmes engagés. Dernière chose, les droits de l'homme sont universels. Ça veut dire tout simplement que les droits de l'homme concernent tous les citoyens, les noirs comme les blancs. Parce que j'entends souvent les gens dire, non, les droits là, c'est pas pour les noirs, ça c'est pour les pays développés. Non, les droits de l'homme concernent tout le monde. Ça concerne les noirs et les blancs, ça concerne les pauvres et les riches, ça concerne les enfants et les adultes. Et donc, ça c'est important. La dernière et la toute dernière chose, nous avons tous l'obligation de respecter les droits de l'homme et nous avons tous l'obligation de les faire respecter par les autres. Ce que je vois ici, chez moi à Kinshasa, c'est que tu peux voir que la police arrête quelqu'un. Tu as le droit en tant que citoyen de demander à la police, vous l'arrêtez pourquoi? Parce que nous devons surveiller les institutions les uns les autres. Et pour ça, il faut avoir la connaissance, pour ça, il faut avoir du courage. Donc, je me résume, je termine en disant que les droits de l'homme sont très importants parce que si nous ne les connaissons pas, nous ne les faisons pas respecter, notre société ne peut pas aller de l'avant. Si nous sommes ici, c'est parce que la Constitution dit que les manifestations publiques ou les manifestations pacifiques sont autorisées, les réunions sont aussi autorisées par notre Constitution. Donc c'est important. Je vous remercie pour votre attention. Vraiment, tout l'a dit. Binomoko, Yuki, Namato et Davino. C'est vrai que le président Longé a un niveau la moins certaine de sa ligne-là. Et donc, quand on a eu fait la CT, le président nous dit les droits sont fondamentaux. Les droits sont universels. Et les droits sont pour tout le monde. Et nous devons les respecter et de les faire respecter. Il y a moins de fondements et agnons tout. Nous allons suivre avec beaucoup d'attention le président de la SAPEO. Dans son intervention, la base à Badikabo pour le service et l'Ogonini, la Bébé, droit de l'homme. On a droit de l'homme à l'Obi-Bouil. Et ils allaient ensemble à la valeur Olu et Pesaka au Moto Nabato.
muni de cette parole concertée, commune, un tel peuple se met en marche, crée lui-même sa doctrine, façonne son destin et choisit un leader qui partage sa propre philosophie. Pendant ces 4 semaines passées ensemble, nous avons intériorisé qu'une vraie démocratie s'est nourrie de l'engagement de ses propres citoyens par la formation, les débats et les échanges d'idées naissent des initiatives citoyennes. L'association de Banabakoubou, ABBNC, aspire à un monde associatif qu'il soit un acteur clé de la vie économique, sociale et culturelle de la commune. Son dynamisme devra être le garant d'une démocratie participative et vivante pour la population. Excellences, Monsieur le Ministre, distingués invités et chers compatriotes de la commune de Barbou, seuls ceux et celles qui se mettent debout parviennent au but. Mais ce but ne serait pas atteint sans le concours de plusieurs personnes dont vous faites partie. Et Jean Baudet disait que les personnes sont la véritable richesse de la nation. Ce capital humain doit être la pierre angulaire de sa réussite. Cela veut dire, en définitive, que les individus doivent participer au processus de développement et en retirer des avantages inhérents. Tous les efforts que nous déployons aujourd'hui devraient contribuer à la qualité de vie de toute la population, car une nation qui exclut l'un de ses membres est dite une nation barbare. La solidarité agissante, telle doit être le leitmotiv de notre association. Réfléchissons ensemble à cette citation de Gaston Berger, un éminent scientifique, qui disait « Demain ne sera pas comme hier, il sera nouveau et il dépendra de nous. Il est moins à découvrir qu'à inventer. » Nous ne serons plus cette allocution sans pourtant remercier Son Excellence, Monsieur le Ministre, pour nous avoir gratifié de sa présence. Et moi qui vous parle, qui viens de l'extérieur, lui étant le ministre des Affaires étrangères en charge de la diaspora, donc des étrangers qui vivent, des Congolais qui vivent à l'étranger, il a bien voulu nous honorer de sa présence. Je vous prie de l'acclamer pour sa soumission. Je vous remercie pour votre participation et j'ose croire que nous verrons dès à présent démarquer de notre présence l'air de vrai pour notre président et que demain, Barbou sera encore mieux qu'hier et que demain, nos enfants pourront bénéficier encore pour puisse aller le palissement. Voilà le mot et je prie que notre Seigneur nous garde et nous bénisse. Même vive la République démocratique du Congo, vive la commune de Barbou, vive l'Alliance Barbou-Belgique, dont je suis l'initiateur, vive l'association de Barbou, dont je suis encore l'initiateur. Je vous remercie. Merci beaucoup de m'avoir accordé cette série de rencontres entre les enfants de cette commune de Barbou qui nous est si chère. Je ferai un mélange français déjà. Depuis que la commandée d'un gouvernement qui se passe pas une semaine, pour ne pas exagérer.
intéresse, sans que l'on doit vous suivre, il y a pas d'en parler de vous. Et Patrice, Mme Alinia d'ailleurs, vous savez, à chaque fois, je veux une information, à chaque fois, un site de maman, à chaque fois, Facebook, des fois, dans sa commission, dans la radio en direct, la radio communautaire, la communauté congolaise est dans la Bruxelles. Mais on a d'autres occasions de concerter, où chaque fois que dans la Bruxelles, c'est juste escale, notamment à ton avis. Mais, Malawi et l'église étaient une occasion pour moi parce que chaque premier moment depuis 6 ans, je me fais devoir de me rendre à Bruxelles pour fleurir la tombe de mon frère. Donc, alors, comme tous ces gens-là de la communauté en train de le vivre, ceux qui sont à Bruxelles, ils sont venus pour moi, bien sûr. Alors, cette fois-ci, j'étais parti pour une raison privée, celle-là. Mais à la fin de souvenir de ce réveil à Bruxelles, j'étais à l'hôtel Royal de la place. Et dès que je suis arrivé, je commence à voir, par contre, j'avais été Patrice déjà. L'invité à cette année de poème. Et Patrice Saillé, Patrice Marié, Patrice Boya, Patrice Boya. Et bien, j'étais dans l'obligation, il y a commis dévoilé. N'est-ce pas? Parce qu'il y a un jour, dimanche, c'était le 1er novembre. J'ai m'occupé de ce que je vais faire à Bruxelles pour y assimiler en direct. Je vais d'accord mon frère, puis le reste du jour. Et je pense que c'est ce que je fais. Et. Alors, parce qu'on a tellement mêlé à un moment donné, mais au terme de la journaliste. Et, je vais à l'ambassade de Lyon, on va organiser une cérémonie dans l'ambassade de Lyon, la Bruxelles, la venue Marie de Bourgogne. Et à la grande surprise, il y avait beaucoup de monde dans l'ambassade. Une façon de sorte. Or, ça fait plus de 10 ans qu'aucun membre du gouvernement RDC a créé la Porto Aza à découvert. Moi, bon, parmi ces ma ville, ils ont très bien dans la bus, dans la métro. Bruxelles, j'étais là, j'avais vu sur mon cadavre, il ne prenait pas Bruxelles. Et il n'y a pas de soir, il n'y a pas de souci, parce que là, on a pas d'accord. Quand on va partir sur hier, on va bien répondre. Alors, ma famille est tout solo, même si on appelle les combattants. Et tout solo, là, on a voulu des combats et des gens gardiens. La veille, il y a un départ dans la place de Kinshasa. Ben, il y a un bar à Bangou, dans un restaurant, là, dans le pays de la basilique, c'est ça. Voilà, ça s'est passé très bien. Alors, expliquez-moi à mon nom, il y a eu le coup de ça, et ça a eu le 28. Ah, voilà, à mon nom, il y a eu tout ça, vous savez, on a vu dans la pluie, Patrice a voulu avec les gars, ça a eu bon, voilà, c'est pas de problème. Il fallait dans l'ouverture, mais je pense que la guerre a servi à des graves. Donc, voilà, on a eu ça, la vie des arrêtés. Mais j'étais de tout cœur. Ma thématique, nous sommes dans la carte, n'avait pas bien qu'est-ce qui était prévu, ainsi de suite, ainsi de suite. Félicitations dans l'organisateur. Qu'on a ce qui se passe ici, ce qui s'est passé ici pendant. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, la classe, et d'ailleurs, il y a la cour de nos émissions, on va venir en français, l'initiative citoyenne, on y est pas au bas de la, et si la Roubaye, on y est pas, on s'en est là, ma parole, on a tous les amis, ma parole a dit qu'il est ouf, et si vous nous donnez à voir, ça sert au mot, et
espace où il y avait une blindée à mon frère de la guerre. Et ici, ça nous permettait de jouer au football. L'espace de jeu, et ils avaient déjà la cible, pas dans la route, c'est pas en charge, sur place à aussi à la route. Et ce que je me suis dit, c'est la guerre, c'est un point de la scène, au bout, à cause de la confiance et le prix de l'homme. Et, dans le cas de la vie, sur l'emploi, sur l'environnement, sur ce que c'est pour ça. Mais avant d'aller, ça m'a quand même aussi. Il y a vraiment la travaux de tout le salaire, un pour moi, c'est de dire que chaque citoyen, au moment n'a jamais, enfin, jamais, mais au moment là, difficilement encore, on a la photo, on a dit la photo de l'air au pays. À ça, on a la photo. Parce qu'elle est que ça coûte cher. Ça coûte aussi cher à l'État, à la communauté. Parce que tous les secteurs là, tous les joueurs, on voit les joueurs. Alors, tout y est là. Sauver chaque citoyen à partir de respecter cette année à propos de l'été. Avant d'avoir le coup, moi j'appelle Baroukou mon village. Je connais le village, je vais passer, mais il y a eu tout le temps des recours à Baroukou et il y a eu notre rôle qui, bon, il y en a de moins en moins dans la commune, mais il y a toujours quelque chose qui continue dans l'État. Parfois, je pense que la vie s'en va arrêter, mais la continue quand même, là, ça va tout. Et ça, parce que le cœur a chemin qu'on peut avoir. Mais, ma carbonée, les amis, sur le plan, sur le coulé, tout le monde va le voir. Dans la roue, les gens font semblant. De s'aimer, ils ne s'aiment pas. Ce qui fait que quand ma élection est dans la main, à Barombo, jamais Barombo est mis à député Bongo. Même député provincial, dans le rôle législatif, bon, va bien non. Mon enfant, on a d'aller me les couler et les autres ont battu dans ce tour. Mais n'est pas si tard, mon enfant. Élection professionnelle. Papa Biki Sayo. Semaine qui va venir vous donner à eux. L'essentiel qu'ils fassent ça tout le week-end, tout le samedi, à partir de samedi au dimanche, le lundi, vous, nous, on passera discrètement pour voir si le travail est bien fait. Congo, Congo et Afrique, Congo, Okaya Kitoko. Congo, ya batu mayele, Congo, Congo ne mboka, Congo, mboka ya bankoko. Congo, mboka mwana pamba, lobi, mboko lula yango. Congo, mboka ya kitoko. Congo, ya batu mayele. Congo, mbako bikisa yo.
sera réhabilité avec les sénateurs Jokito. Derrière, il y avait des problèmes parce qu'on n'avait pas le caniveau. Alors, le Fonds social nous a fait un très bon caniveau là-bas derrière. Mais l'entourage, les gens qui habitent derrière l'école, ont barricadé le caniveau. L'eau ne passe plus, toute la quantité d'eau nous revient maintenant à l'école. Des deux, ils ont construit les installations sanitaires sur ces caniveaux. Et tous leurs déchets sont déversés vers l'école. Ça sent mauvais parfois, les élèves n'arrivent pas à étudier. J'ai porté plainte à la commune, c'est sans effet. J'en ai porté, etc. Et ça, jusque là, rien n'est fait. Profondez une solution. Je vous le dis parce que demain, nous serons à Serombo avec le ministre de la diaspora. Le bourgmestre aussi est invité et certaines honorables. On va clôturer un séminaire. On fera part de vos doléances.